Salut les amis, c'est Daranik et bienvenue pour le premier épisode de Craven Manor que je vais commencer tout de suite parce que je sais que le chargement est super trop long pour la vie. Normal, oui, anormal. Un jeu que j'ai acheté en rabais. Chef pour courir, ok, il faut falloir qu'on court. J'ai pas trop lu les annonces, j'ai pas trop vu les annonces. Mais je sais que ce jeu-là en a fait peur à beaucoup de personnes. Je veux dire, les youtubeurs que je connais. Mettez des pouces verts si vous êtes content de voir un autre youtubeur faire cette vidéo parce que vous voulez voir la réaction du d'Aranik, la réaction de quelqu'un avoir très peur. Je suis une personne qui ça prend pas grand chose pour le faire crier, fait que c'est sûr que vous allez avoir du fun. Si vous avez pas vu ma vidéo de Slender The Arrival, allez la voir, ça vaut la peine, ça dure pas très longtemps, c'est je fais le jeu au complet. C'est vraiment, vraiment drôle quand que je crie. je risque de faire plusieurs autres jeux d'horreur comme Amnesia and Matching for Pigs, mais celui-là, je vais le faire pas tout seul. Je vais le faire avec mon coéquipier de gameage que vous le connaissez sûrement si vous me suivez dans mes autres vidéos. Mettez des pouces verts puis abonnez-vous. Mais malgré ça, on va commencer le jeu s'il pourrait démarrer, mais... Je sais que ça prend à peu près 2 minutes à démarrer le jeu là. On est dans un manoir, ça c'est sûr. Si j'ai bien compris dans la description, il fallait faire un puzzle. C'est un peu la recherche pour trouver le chemin. J'ai pas trop compris, mais je vais essayer de comprendre. Le jeu devrait pas durer trop longtemps. Mais assez pour une coupe de vidéos, 5 au maximum. J'espère que vous allez mourir de peur. Et ça commence. Oh, la porte à fermer. Ok. On peut ouvrir la porte. Ok. Ok, c'est good. Bon. Ok. Ah, une clé. Ah, ben il y a une belle statue de... je sais plus comment on appelle ça, mais c'est en bois. C'est une femme ou un homme? Et on dirait un homme. Mais bon. Ou une femme avec des petits seins. Il y a un petit courant d'air qu'on dirait qui apporte les gens ici. Je vais y aller. Ça vous rend pas trop triste. Je vais suivre le chemin. Ok, cheminée, ben oui, c'est la chaleur. Je diffuse pas très loin de cette salle. Ok. C'est quand même freak avec les petites lumières qui... J'ai jamais joué à ce jeu-là, je le découvre avec vous. À 100%. En espérant que vous allez crier avec moi parce que je veux pas être seul à avoir peur. À date, là, je me dépêche parce que j'ai peur, oui. Les éclairs, ils me stressent, my god. Ah! Ok, journal, bam. Journal, j'ai trouvé le modèle réduit de la cave. De la cave à vin. Il correspond à la maquette que j'ai vue dans le hall d'entrée. C'est bon à savoir. Ramasse-le, arrête de pitcher à terre, grosse merde. Je sais pas si c'est tombé du ciel, mais... C'est des feuilles. Le tremblement de terre a fait tomber des feuilles. Vite, 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 on y va. Oh, pneumatique. Je vais essayer de faire une jambette. Ah, la lumière elle a pété. F pour allumer ta lampe torche, merde. Ah. Oh merde, la statue a disparu. Bravo, ils ont réussi à me faire peur. C'est beau, ça commence, je stresse. Oh, alors. Oh merde. Oh merde. Oh merde, est-ce que je filme encore? Je filme encore. Je suis supposé filmer encore. Bon. Il faut prendre la pièce qu'on a et la mettre où qu'on veut. Je prends la pièce et je la mets là. Non, okay, ben je prends la clé en tout cas. Je prends la clé. Mais bon. Cave à vin. Ok. Ça, ça peut le faire tourner.
Bam! Puis donnez-moi la clé! Je veux la clé! Je veux la clé! Bon! Tout est bougie. Alors que je reprenais mes esprits, le verre autour de la maquette s'est brisé. Par qui ou par quoi? Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Alors que je m'approchais le modèle réduit de la salle du reste de la maquette, il fut arraché de mes mains et se positionna sur la table, comme si sa place était là. Ensuite, j'entendis le bruit que font des pierres qui entrent violemment en contact. Si je me souviens bien, un modèle réduit de la bibliothèque était placé plus tôt et désormais il a disparu. C'est bon à savoir. Bon. Puis en plus, mais il mentionne pas que la putain de maquette de la putain de... Peu importe. Ok. Est-ce que je filme encore? Alors, peu importe. Je vais recommencer au pire. C'est de la merde, je déteste ce jeu. On commence dans une cave à vin, mais souillée de merde et de... Et d'épices, plein de monstres. Fucking creep bitch. Ok, budget de construction. Ok, cave à vin, normal, pas de problème. Photographe, nanana. Je peux-tu le casser, ça? Voyah! Mais bon. On va se prendre des chaises aussi. Mais bon. Bon. On continue. J'ai pas peur de la cave à vin destructrice de la mort qui tue. C'est quoi ça? J'ai pas peur de rien. Je suis le maître du monde! J'ai vu quelque chose! J'ai vu la maquette. Et j'espère que vous l'avez vu parce que là je veux pas avoir de la con. Ok, marre de tout d'araignée, c'est normal. On l'a fait tout à l'heure, c'est parfait. On l'a fait tout à l'heure. Puis il y a du sang! Non, je vois pas là. Oui, je vois là. Je suis obligé. J'haïs ce jeu. Allô? Allô? Tu veux pas me faire mal, t'es avec une maquette de bois, hein? Ben oui. Ah! Get out. Oui, je m'enfuis. Je détruis tout. Je dis détruit, non, faut pas fermer, s'il te plaît, non, faut que j'y retourne. Quoi, je me fais attaquer par quoi? Quoi? Va-t'en, c'est quoi? Y'a-tu un monstre à terre, quoi? C'est quoi qui se passe, s'il te plaît? À l'aide, trouve le levier, ouvre la porte, je m'excuse. Oh my god, ouvre la porte, va-t'en, d'ici, man. Prends la maquette, puis ne reviens jamais. Je hais les cavavins, maintenant je hais les cavavins pour le reste de ma vie. C'est fait, c'est décidé, je hais les cavavins. Les cavavins, c'est de la merde. Sont vos nous, ils ne reviennent jamais. Ouh. Oh my god, c'est... Pourquoi il y a de la vide partout? Oh, c'est vrai, c'est... Oh man, il y a du sang maintenant. Et puis ça, c'est très rassurant. Ok, on va... Non, enlève le cavavin de là, merde. Cavavin. Le jeu il rame quand je mets les salles. Excusez-moi. Bon ben on va passer toutes nos vidéos à aller dans la même salle parce que je mets toutes les salles à la même salle. Toutes les salles à la même salle. Je suis tellement rigolo. Bon journal. J'ai vu quelque chose se cachant dans le pénombre, s'abritant dans la lumière, je ne s'agis, mais j'espère ne pas croiser son chemin à nouveau. J'ai trébuché sur une autre pièce de la maquette. Il semble que cela représente la chambre à coucher. Et on y dégage. Non, c'est pas vrai. Mais j'aimerais... Depuis quand les chambres à coucher ont des fenêtres et un salon avant? Ok, c'est barré, faut que je t'oublie d'aller là, bravo, j'haïs ce jeu. Personne? Allô? Allô, y'a personne? Bonjour, je m'appelle Squeezie. C'est pas vrai. Bon. Sérieusement. Personne, tout est beau, y'a du sang. Pourquoi y'a du sang? Comment tu veux que du bois ça saigne, les amis? Ah, naked régul... Ah,
dans le complot, hein? C'est son fils, hein, c'est ça? Bon. Tu veux me faire peur, mais tu l'auras pas. Marqué George Craven. Ah, c'est le nom de quelqu'un d'abord, Craven. Je cherchais que ça voulait dire le mot Graven. Peut-être ça veut dire... Ah, la porte est détruite. Ah, ben... Ça va vous apprendre à mettre des serrures. De toute façon, les bonhommes de bois les détruit. Ouais, j'adore. Ah, il y a une armée de soldats. On fait tourner ça. Bon. Soldat rouge. Ah, c'est le gars. C'est celle en bronze. Ça, c'est les autres. Bon. Peu importe. On continue. Ah, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. La porte, elle a juste fermé. Donc, la porte, elle a juste fermé. Tu rouvres la porte. Tu rouvres le coffre. Tu check les vidéos. Tu te retournes. Puis... je peux-tu avancer plus vite, s'il te plaît? Oui. C'est une reconstitution. Ok, c'est un le petit. Oh my god. C'est une reconstitution de ce qui est arrivé. La personne a se caché là, puis il a fait le temps qu'elle a fini. Elle était morte, elle a rampé. Les maquettes de bois, c'est de nous montrer. Dans le fond, les maquettes de bois sont gentilles. Les maquettes de bois sont gentilles. Live. Parfois, je me fais attaquer. Parfois, je me fais attaquer. Ok, rouvre la porte, rouvre la porte, rouvre la porte. On s'en fout. Non, la porte est barrée. Va-t'en, 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 va-t'en. Je te hais. Je te hais, t'es méchant. Méchant. Couché. Couché. Je ramasse le livre. Tu restes là. Tu restes là. Non, tu restes là, tu restes là, tu restes là, tu restes là. Il a bougé, il a bougé. Il a bougé. Tu... Non, non, tu restes là. Je clique. Tu restes là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, mais c'est de la triche. Il se déplace beaucoup trop vite pour la vie. Attends, ok. Ok, je te vois pas, je te vois. Je te vois pas, je te vois. Je te vois pas, je te vois. T'as bien tu? Je fais un tour complet. Non, ne rampe plus jamais. Oh merde, oh merde, 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 merde. Ah la 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 la. Je déteste les jeux comme ça. Lève le tableau. Hey hey hey. Je peux-tu juste cliquer? Genre. Merde, 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 merde. Merde, c'est le jeu le plus BS. Je hais ce jeu. Je hais ce jeu. Où est le méchant? Où est le méchant? Ah! Maintenant que je te vois... Ah! Oh, faut que je tire sur le poteau. Dans le coin de la salle. Mais de toute façon, maintenant, je te vois. Quand je te regarde, tu ne peux rien faire. You, 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 you. Ah! T'es mort. J'ai tué, salope. J'ai trébuché sur une autre pièce de la maquette. Il semblerait que celle-là représente la chambre à coucher. Bon, l'horreur vit... J'ai relis la même phrase. L'horreur vit dans les recoins obscurs. Un endroit entre la curiosité et la folie. Je peux le sentir, cela recherche. Cela cherche à me détruire. D'accord. Non. Non, oui, peut-être non. Les choses électroniques, Steve. Ramasse la maquette, on s'en fout du reste. On s'en contrefout du reste. Tu sors d'ici et le reste. Tu t'en quoi déjà? Oui, tu t'en fous. Oh my god. Tout à l'heure, c'était pas le même. Peu importe, je suis sorti, j'ai réussi. Bon. 15 minutes à peu près la vidéo, je crois. On va se laisser sur ça. C'était Daranik. Et pour la prochaine épisode, j'espère de me faire moins violer par des bonhommes de bois. J'ai compris le principe que tu le regardes pas, il s'en vient vers toi. Il faut vraiment que tu te dépêches à faire ce que tu veux que tu fasses. C'est vraiment un peu rare comme jeu. Si vous avez crié avec moi, si vous avez eu peur, si vous en voulez plus, abonnez-vous, partagez et même pouce vert. C'est Daranik pour l'épisode 1 de Craven Manor. Bye!